Le monde est en train de se digitaliser à une vitesse grand V et beaucoup grâce à cette catastrophe qui nous est tombée dessus, qui s'appelle Covid. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi les 5 métiers qui vont vraiment être très demandés pour cette année et les années à venir. Le premier métier, c'est storyteller, copywriter. Qu'est-ce que j'entends par là ? Aujourd'hui, il y a une grosse différence entre la vente classique et la vente avec le storytelling, c'est-à-dire la capacité de raconter une histoire pour faire la promotion de ta marque, de ton produit, d'une enseigne, d'un service. Plus tu auras ce don, donc si tu as un don, où généralement tu es captivant quand tu racontes une histoire, quand tu racontes un film, donc ça serait bien que tu puisses te diriger vers ce métier-là qui s'appelle le copywriter. C'est la faculté à faire rêver les gens pour leur proposer un service ou un produit. Donc si tu as cette faculté-là, tu sais ce qu'il te reste à faire. App développeur, c'est ta faculté à développer des applications pour toutes les personnes qui souhaitent vendre des choses sur le net. Aujourd'hui, grâce au confinement, il y a du bon côté quand même au confinement, ça nous a rééduqués, on a tous appris à finalement faire des achats en ligne. Donc c'est aujourd'hui une recrudescence énorme qui nous a ramené énormément de points positifs. Gestion de temps, gain de temps, gain d'argent, parce qu'il y a eu beaucoup de promotions, la concurrence, etc. Donc aujourd'hui, c'est un métier qui va vraiment, vraiment, vraiment se développer et il va avoir le vent en poupe. Donc, si tu as cette faculté ou tu es vraiment doué avec tout ce qui est développement, application, etc., c'est vraiment quelque chose à creuser un peu plus. App développeur est le deuxième métier qui va cartonner pendant cette année et les années à venir. Troisième, c'est social media manager. C'est tout ce qui touche vraiment au digital. C'est la faculté à gérer des marques, à gérer des personnalités sur le digital. C'est la faculté à se vraiment promouvoir sur le digital. C'est des profils qui sont aujourd'hui très demandés parce que, encore une fois, on n'est plus dans la communication classique, les 4x3, la télé, la radio. C'est en train de perdre vraiment de la vitesse. Au profit de quoi ? Au profit de tout ce qui est digital. Donc, si tu as cette capacité à vraiment surfer sur le net, à promouvoir, à rédiger, à tenir des pages sur les réseaux sociaux, si tu es vraiment très connecté par rapport aux réseaux sociaux, ben, c'est un métier que tu peux faire. C'est tout ce qui est de digital marketing. Il y a également un métier qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup cartonner, c'est tout ce qui est en relation avec la vente. Donc, c'est le traffic manager et le closer. Traffic manager, c'est toutes les personnes qui sont capables de mettre en place une stratégie de sponsorisation sur les réseaux sociaux pour faire vendre un produit à un client, une prestation de service. C'est la faculté à aller chercher des clients, faire la promotion du produit, les ramener à l'acte d'achat. Et le closer, c'est la même faculté, mais c'est on the phone. De plus en plus maintenant, les gens commencent à faire de la vente en ligne, mais derrière avec toute une équipe de closers. Donc, si tu sais que tu as la vente dans le sang, si tu sais que tu aimes les chiffres par rapport au traffic management, ces deux métiers vont beaucoup, beaucoup, beaucoup être demandés pour les mois à venir. Voilà, 5 métiers à développer pour 2022 pour que tu puisses bien cartonner. C'était Nahid Rached, Hada Houa, et Allah yahfidkoum.